Actuel Arca recrute chaque année. On a recruté beaucoup en 2015. On dépasse les 550 recrutements sur l'ensemble du Crédit Mutuel Arkéa. On va poursuivre nos recrutements sur 2016, essentiellement au niveau du réseau commercial, puisque c'est vrai que ce sont les forces vives de notre maison. Et puis également sur les fonctions support du siège, où on va avoir des recrutements importants aussi sur l'année qui vient, notamment sur des profils assez spécifiques qui concernent notamment les risques, le contrôle, les informaticiens également et toutes les fonctions liées à la finance. Donc ce sont plutôt des jeunes de la région que vous recrutez, du Finistère, de Bretagne? On dit que le Crédit Mutuel Arkéa défend ses territoires et est implanté sur ces territoires, donc on aime rester dans cette logique et intégrer effectivement des jeunes qui sont issus de nos territoires. Mais on sait aussi aller chercher des expertises parfois au-delà, mais c'est vrai que la majorité des recrutements qu'on effectue sont des jeunes issus de la Bretagne, alors du Finistère et de la Bretagne un peu plus largement. Quand vous avez un jeune à recruter, à quoi vous êtes particulièrement attentive ? Faculté d'adaptation, je dirais. C'est vraiment un point essentiel. Il faut réussir à s'adapter en permanence face aux demandes des clients, face à l'évolution de la société. Et puis peut-être, je ajouterai autonomie aussi et créativité, puisque ce sont deux aspects qui sont importants et qu'on veut développer, en tout cas sur le projet stratégique du groupe. La richesse du Crédit Mutuel Arkéa, c'est qu'effectivement, on recrute véritablement tout type de profil. Alors, c'est plus vrai pour les métiers du réseau commercial, où là, on va avant tout demander une expérience commerciale aux candidats qui se présentent à nous. Et finalement, comme je le disais tout à l'heure, les formations qu'on dispense en interne vont leur permettre d'avoir le bagage nécessaire pour exercer le métier. Sur les fonctions support, donc celles plutôt du siège, effectivement, on a des profils assez récurrents, avec plutôt des formations Bac plus 4-5, et donc des formations universitaires ou d'ingénieurs supérieurs.